Alors, ce chantier, il est hors norme parce que déjà, l'imposte source est un équipement stratégique pour l'alimentation des clients parisiens. Et dans le poste source, le transformateur, c'est la pièce essentielle qui transforme le 225 000 volts en 20 000 volts. Et donc, aujourd'hui, nous remplaçons ce transformateur qui a été installé en 1976, donc il a donc 44 ans, par un nouveau transformateur plus performant, beaucoup plus moderne. Alors, nous avons pris des précautions suite à l'entrée en confinement, le 16 mars, où nous avons arrêté le chantier pour pouvoir évaluer comment réorganiser le travail pour mettre en place toutes les mesures sanitaires. Ce que nous avons fait ensuite en installant des bases vie pour toutes les entreprises prestataires et en définissant des zones de travail distinctes pour éviter tout contact entre les différents intervenants. Les mesures de sécurité ensuite qui sont mises en œuvre sont les mesures de sécurité habituelles pour ce type de chantier que nous avons l'habitude d'appliquer pour l'ensemble de nos chantiers post-source. Remplacer un transformateur comme ça dans Paris, ça se fait l'été puisque l'été, il y a moins de charges, moins de consommation. Donc nous avons programmé ça pour les 9 mois les moins chargés dans Paris. Ensuite, l'infrastructure parisienne nous permet de continuer d'alimenter en nous privant d'un poste électrique comme celui-ci ou même de deux postes électriques comme celui-ci sans qu'il y ait aucun impact pour les clients parisiens. C'est conçu dans notre infrastructure de réseau.